Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. L'heure est grave actuellement sur les réseaux sociaux. Ces derniers temps, il y a trois jeunes dames en fait qui s'amusent à s'acharner sur Kim Makoso. Une petite de, elle a quoi? Elle a 19 ans, 20 ans? Une petite de 20 ans. Là, je vous parle des grandes dames, hein, des tatas de 45 ans. Et ces jeunes dames, ces derniers temps sur les réseaux sociaux, s'acharnent sur Kim Makoso. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi. Et il y a quelques jours, une de ces trois jeunes dames aurait fait un direct live sur TikTok. Donc, je disais, elle a fait monter quelqu'un dans son live volontairement, une personne qu'elle connaît très bien. Et cette personne était prête à dévoiler la ville, l'adresse et l'université de Kim Makoso pour vous montrer à quel point c'est grave. Je sais que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes n'apprécient pas trop les Makoso, c'est-à-dire le général Camille Makoso et sa sœur Lolo Beauté. Mais qu'est-ce que leurs enfants viennent voir dans cette histoire-là? Certes, aujourd'hui, ils exposent, surtout le général Makoso, certes, aujourd'hui, il expose sa fille, il met sa fille en avant, il essaie de créer une starmania, c'est l'avenir de sa fille qu'il essaie de construire. Aujourd'hui, l'avenir se trouve, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. La petite fréquente, elle va à l'école, elle a de bonnes notes. Donc, si aujourd'hui, son père veut la mettre en avant sur les réseaux sociaux, où est le problème? Est-ce que je ne comprends pas? Kim Makoso n'a jamais manqué de respect à personne. Je mets quiconque au défi de me sortir une vidéo où elle a déjà manqué de respect à quiconque sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas les retombées. Elle aurait fait une vidéo pour dire oui, Kim Makoso là, on parlait d'elle dans le clip de KS Bouloum. Je m'attendais à ce qu'elle ait le rôle principal. Aïe, juste pour faire une figurante. Mais c'est là que tu vois que cette petite ou son père là, tu vois l'intelligence de la famille Makoso. Parce que si cette petite là, c'est-à-dire, elle aurait pu dire à KS Bouloum, hey, toi tu me connais pas? Tu vois pas ma notoriété, j'ai plus de 2 millions d'abonnés. Je suis quand même Kim Makoso. Comment ça tu veux que j'aille juste faire, hein? J'aille juste jouer le rôle de figurante dans ton clip. Elle aurait pu refuser. Voyez un peu la grandeur d'esprit de cette petite. Ça montre son rôle dans ce clip-là. Ça montre à quel point cette petite est respectueuse. Ça montre à quel point cette petite est humble. C'est-à-dire du haut de son nom, Makoso. Du haut de tout ce qu'elle est, elle a accepté de venir s'asseoir sur la chaise dans le clip juste pour applaudir. Je ne sais pas, vous voyez l'humilité de cette petite. Respectez-vous parfois sur les réseaux sociaux. On n'a qu'à se respecter. Vous êtes des mères de famille, des grands-mères même. Vous êtes des grands-mères. Ne faites pas des choses comme ça. Je vous dis, c'est allé tellement loin que Axel Méril même est sorti pour dire non. N'allez pas détester la petite là en mon nom. Là où je suis assis, je n'ai jamais dit à personne d'aller me défendre. Je n'ai jamais demandé à qui que ce soit d'aller se défouler sur quelqu'un en mon nom. N'êtes plus dans cette histoire-là. C'est la dernière fois que vous allez encore m'associer à ça. Donc, quand vous prenez vos pieds pour aller dans les lives, pour insulter telle ou telle personne, ne m'associez pas à ça. Je vais toujours parler avec eux, non? Mettez-les au chômage. On a d'autres choses à faire. S'il vous plaît, ne m'associe plus à vos trucs là. Les trucs là, on insulte n'importe qui, tout ça, ne m'associe pas à ça. Genre, je suis passé à autre chose, ne m'associe plus à ça. S'il vous plaît, merci beaucoup Magica. Je ne veux plus que vous m'associez à ça. Donc c'était ce que j'avais à dire. Si quelqu'un monte sur un live avec le nom de la team Bénédiction, ou bien avec mon nom, à côté de son nom, ou bien avec la photo d'un des événements, ou bien d'un logo de Axel Méril. Je suis désolé. Il ne faut pas m'associer à ça. Mais attendez, moi, je ne suis pas le genre de personne à attendre que ça va faire si fait ça, les gars. Et vous qui faites comme si je n'ai jamais dit ça, il faut vraiment être assez maboule pour penser que je n'ai jamais dit ça. Je l'ai dit tout le temps. Vous avez quelque chose envers les Makoso, les parents? Acharnez-vous sur les parents. Laissez les enfants en dehors de tout ça. Et pour vous dire, la dernière fois, lorsque Kim Makoso, enfin le général Makoso, a fait venir sa fille Kim à Paris pour ses études, l'une de ces trois tatas a pris la parole, enfin de ces trois dames, a pris la parole pour dire « Oui, c'est normal que le général ne veut pas faire venir sa fille métis parce qu'elle a tous les dossiers. Si demain elle met les pieds en France, là c'est foutu pour le général. »
elle a des secrets de famille, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il ne veut pas la faire venir en France et tout. Bon, là, on vient d'apprendre que Metti Makoso est à Paris. Maintenant, elles sont toutes silencieuses. Et, mesdames, donc si vous voulez avoir affaire aux Makoso, si vous voulez faire, entre guillemets, la guéguerre avec les Makoso, attaquez-vous au général. Vous-même, vous le connaissez, non? Il va s'asseoir sur vous du matin au soir. Mais ne vous attaquez pas à ses enfants. Des petites de 18 ans, des petites de 19 ans, à sa défunte femme. Hi! Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour quelques centimes sur TikTok? Bref, moi c'est Indiana Shelley. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt. Restez connectés. Ciao, ciao.